Bienvenue gens, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, yeah! Pour parler de cette montre connectée que j'ai ouvert il y a 3 mois, j'ai bien vérifié, j'ai ouvert il y a 3 mois, donc cette montre connectée, je vous avais dit que je vous referais une vidéo où je vous dirais ce que j'en pense, mais tout d'abord n'hésitez pas à m'ajouter sur mon Snapchat et mon Instagram tout simplement, et ça me fera grand plaisir, je te suivrai, voilà, je t'accepterai tout simplement. Donc pour l'instant on va parler de cette montre connectée donc, que j'ai ouvert il y a 3 mois. Je m'en suis servi 2 jours. Vraiment je trouve ça totalement inutile. La boîte je l'ai mis là pour mon décor arrière. Donc je prévois de mettre d'autres boîtes de mes unboxing et tout. Donc il va y avoir beaucoup de choses. Ça va un peu s'empiler mais c'est pas grave. Voilà donc cette montre connectée que vous pouvez voir là donc c'est pas non plus une Apple Watch mais je connais quelqu'un qui avait une Apple Watch qui m'a dit que ça servait vraiment à rien donc c'est pas pour dire du mal du produit mais bah un peu quand même mais voilà j'ai en fait c'est vu qu'on a beaucoup l'habitude d'utiliser nos portables ça sert à rien pour regarder l'heure pour regarder l'heure tu t'en sers pas. Oh fuck la caméra. Pour regarder l'heure, tu t'en sers pas. Enfin, je sais pas, moi, je m'en servais pas. Ça peut te servir que pour faire de sport. Après, tu sais, c'est un truc pour faire de l'argent encore. Et bah, je sais pas, j'ai pas du tout accroché sur cette montre. Parce que déjà, c'est vachement épais, tu vois là. La batterie ne tient pas sur le modèle que j'ai, c'est-à-dire le Yuntab Smartwatch. Voilà. Donc, c'était à l'envers, mais c'est pas grave. Yuntab Smartwatch. La batterie ne tient pas. L'appareil photo qui est là. Faut insérer une carte mémoire. Je sais pas quoi. Tu peux téléphoner. Sauf que... Ah oui, l'inconvénient de cette montre, c'est écoute le bruit qu'elle fait quand elle s'allume. Voilà, donc ce bruit tout à fait hideux. Là, je vais te montrer ce que tu peux faire un peu parce que... Tu peux envoyer des messages. Voilà, on va écrire un message. Ok, ta gueule. Putain! Ouais, donc on peut écrire un message, sauf que regardez la taille des touches, s'il vous plaît. S'il te plaît, fais la mise au point. Fais la mise au point. Arrête de zoomer sur mon visage, moi je veux ça. Bon bref, il y a vraiment des tout petites touches, faut appuyer plusieurs fois, faut tenir enfoncé, je sais pas quoi, donc j'ai jamais envoyé de message avec, ça me fait vraiment chier. Donc cette montre, ça doit faire au moins, ouais, 3 mois, je l'ai ouvert et elle est restée là, en fait, sur mon bureau, je l'ai jamais utilisée, j'ai utilisé... Je l'ai utilisé un jour pour écouter de la musique. Et puis, c'est tout. Donc, vraiment, je trouve que bah, c'est pas utile à la vie de tous les jours. Tu vois, bah, vraiment, ton téléphone, ça te suffit amplement. Vraiment, garde ton portable. C'est largement suffisant. Donc, voilà. J'espère donc que cette vidéo, ça t'aura plu. Parce que je voulais te parler de cette montre connectée. Et puis, puis voilà, c'est tout. Cette vidéo sortira sans doute mercredi pour les petites vidéos un peu YOLO du mercredi. Puis je sais pas si ce jeudi... Oh, je sais pas si ce jeudi je ferai des... un truc pour l'actu des films parce que j'ai comme... Je me suis filmé en train de le faire mais j'ai pas trouvé ça cool fait que... On verra, peut-être qu'on annulera cette série, je vous dirai ça plus tard. Puis voilà, mais pour l'instant, c'est censé, bon c'est pas censé, peut-être cette semaine, peut-être qu'il n'y en aura pas, mais je suis censé faire cette série, donc je vais essayer. Oh, et puis voilà, donc je vous laisse, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis allez, bye bye.